Vous avez réalisé un court-métrage, pouvez-vous revenir sur ce projet ? Alors, ce film, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce film qui m'a été commandé donc par le CAUE de la région, qui donc a créé un palmarès valeur d'exemple pour valoriser des sites architecturaux et également des espaces publics, des aménagements urbains. Et mon rôle à moi, c'est de mettre en valeur en fait ces sites par le biais du langage visuel. Donc avant toute écriture, je vais sur place, je vais voir le site, je vais voir le bâtiment ou l'aménagement urbain, là en l'occurrence pour Coran. Et de là, je fais l'écriture. De là, je m'inspire du lieu, je regarde les axes de prise de vue, de dans quel angle je vais mettre en valeur le mieux possible le bâtiment. Je fais mes petites photos à moi, mon petit repérage. L'idée, c'était plutôt de révéler des traces de l'histoire, des superpositions de l'histoire, sans pour autant montrer réellement ce qu'était le bâtiment. C'était plus de l'ordre de bâtiment. C'était plus de l'ordre de l'évocation, de l'ambiance, donc du rêve et de donner envie de voir autour. Et c'est exactement finalement sur ces termes-là que s'est passé le contrat entre guillemets qu'il y a eu entre nous et la réalisatrice également du film, voilà. Mais il y a d'autres présences là qu'on voit pas dans le film parce que c'est trop court, mais ces poteaux, ces portes et tout, en fait, sont alignés. En fait, ils sont alignés sur un sommet qui se trouve à quelques kilomètres, sur un autre sommet qui sont de l'autre côté. Enfin, on le sent un petit, mais quand on vit dedans, mais on se dit, mais finalement, cette ville, elle vit avec son territoire, son très large territoire finalement. Et ces alignements et ces orientations sont pas le fait du hasard. Et c'est pas qu'une histoire de soleil.